Correspondance. Martine Jacob. C'est son entrée au Panthéon le 11 novembre 2020 sur la décision d'Emmanuel Macron qui a remis à l'honneur cet écrivain et combattant que fut Maurice Genevoix. Auteur de Ceux de 14, immense témoignage historique et chef-d'œuvre de la littérature, Maurice Genevoix a raconté, jour après jour, le quotidien de cette guerre, de cette première guerre mondiale pendant laquelle tant d'anonymes ont combattu, pour beaucoup, ont laissé leur vie. Maurice Genevoix, né le 29 novembre 1890, écrivain, poète, membre de l'Académie française le 24 octobre 1946, déjà pris Goncourt en 1925 avec Rabolio, fut un témoin majeur de la Première Guerre mondiale. Ses récits de guerre ont été rassemblés en 1949 dans le recueil « Ceux de 14 ». Maurice Genevoix, un écrivain de guerre. Alors je vous propose quelques extraits de ces témoignages de soldats, de ces carnets de guerre, un document précieux sur la vie des poilus. Mardi 25 août 1914, Chalon-sur-Marne. L'ordre de départ est tombé comme un coup de tonnerre. Course précipitée par la ville avec la crainte et la certitude d'oublier quelque chose. Je trouve à peine le temps de prévenir les miens. Dernière revue dans la cour du quartier. J'étais à la cantine lorsque l'ordre m'a surpris. J'ai bondi, traversé la cour et me voici, raide comme un piquet, devant deux files de capotes bleues et de pantalons rouges. Il était temps. Le général arrive déjà à la droite de ma section. Au port du sabre, ma main droite serrant la poignée de l'arme, ma main gauche pétrissant à travers un papier gras, ma récente emplette, deux sous de pain et une charcuterie sans nom qui sue. Le général est devant moi, jeune, bien pris dans la tunique, visage énergique et fin. « Lieutenant, je vous souhaite bonne chance. »« Merci, mon général. »« Je vous tends la main, lieutenant. » »« Et parbleu, je le vois bien. Je sens mon sandwich qui s'écrase. »« Seriez-vous ému, lieutenant ?» À tour de passe-passe, mon sabre a filé dans ma main gauche, une ferme secousse à la main tendue vers moi et je réponds bien haut, bien clair, en cherchant les yeux. « Non, mon général. » J'ai menti. J'étais ému. J'aurais eu honte de ne pas l'être. Tant d'impressions, de réflexions ébauchées qui me secouaient tout entier. Mais j'ai bien compris. Le seriez-vous ému du général? J'ai répondu non. J'ai dit vrai. Nous allons à Troyes. On nous l'a dit. De Troyes, nous filerons sur Mulhouse pour occuper la ville conquise et la défendre. On nous l'a dit aussi. Cette perspective me séduit. Aller en Alsace et y rester, c'est moins crâne que d'y être entré, mais c'est chic tout de même. Défilé en ville, trottoir grouillant, mouchoir qu'on agite, sourires et pleurs. Une erreur de route nous vaut quelques kilomètres de plus. Pas qu'à danser. Les plus vieux réservistes, dodus encore, suent à grosses gouttes, sans ronchonner. Nous avons aperçu des blessés à la porte d'une grande bâtisse grise. Ils nous ont montré à bout de bras des casques à pointe et des petits calots ronds à bordure rouge et fond kaki. Nous aussi, nous y allons, les amis. Une jeune ouvrière, blonde, rebondie, me sourit de toutes ses dents. Grand bien me fasse le sourire, je vais à la guerre, j'y serai demain. Le train, ligne noire de fourgons béants avec quelques wagons de première. L'embarquement est tumultueux. Un jeune commandant basané pousse son cheval à travers les groupes en vociférant. Le peuple murmure. Pourquoi diable a-t-il donné l'ordre d'arracher les petits drapeaux tricolores dont la foule ondulait tout à l'heure sur le bataillon en marche? Départ lent, le soir venu, couchant lourd, monstrueux nuages pourpres et or fauve. Quinca, le convoi roule dans la nuit. Notre vieux capitaine de la 27 extirpe du fond de ses souliers blindés des chaussettes jaunes toutes neuves. On s'étire, on grogne, on ronfle. Un aiguilleur en aiguillant nous crie où nous allons. Trois ! Eh bien oui, vous roulez sur Verdun. Qu'est-ce que c'est que cette eau ? Mais elle n'est pas bonne cette eau. Typhoïde, typhoïde. D'où venez-vous, jeune homme ? Avez-vous des cartouches ? Donnez-lui à boire à ce cheval. Il est malade, ce chasseur. Mais vous êtes malade, mon ami. Si, si, vous êtes malade. Faites voir votre langue. Il faut le faire évacuer. Pas malade, pas malade. Dommage, on lui aurait pris ses éperons.
une voix pleurarde. « Le chef, le chef !» C'est une vieille qui arrive, le bonnet de travers, les mains au ciel. « Seigneur, quelle perte! Ils ont pris l'auvent de mon puits pour faire du feu. Qui est-ce qui me récompensera ?» Perte, dommage, indemnité, des mots, hélas, que nous entendons souvent. Midi, au bas de la pente, sur la route, des voitures passent, grands chariots à quatre roues que traîne un cheval maigre et galeux. Des paniers d'osier, des ballots, des cages à lapins s'y entassent pêle-mêle, par-dessus des matelas, des oreillers, des édredons d'un rouge passé en monceau. Des femmes sont assises en haut, le dos étroit et minable, les mains jointes et pendantes, les yeux vagues. Elles semblent engourdies dans une songerie sans fin. Par-ci, par-là, dans ce bric-à-brac lamentable, des têtes de mioches émergent, cheveux jaunes et mêlés, museaux morveux. Derrière le chariot, quelques vaches suivent, tirant du cou sur leurs longes et meuglant. Un gars dégingandé, large main et vaste pied, foué au poing, les pousse à grands coups de pied dans les jarrets. Tout à coup des cris, un tintamarre de culasses qu'on manœuvre. Je me retourne et vois une trentaine de bonshommes qui se déploient en tirailleurs face à la crête. Notre vieux capitaine, rouge comme un coq, ses petits yeux affolés, girouettants, clame dans le haut de la voix « Attention ! Feu à répétition sur l'ennemi qui arrive à 800 mètres » « Qu'est-ce qu'il y a ? Sommes-nous surpris ?» Je regarde. Rien. Absolument rien. Je vois J qui parle à l'oreille du capitaine, dont le visage prend tout de suite une expression d'immense stupeur. « Cessez le feu autant ! Autant pour moi !» J redescend en se tordant et du doigt, il nous montre des rangées de javel alignées à la crête. Sur la route, s'acheminant vers le village, des soldats passent, groupés par petits paquets, autour d'eux des parlottes écloses. Les nouveaux arrivés questionnent avec une avidité jamais rassasiée. « Alors, il y a eu une mitrailleuse dans le clocher ? Ils vous ont tiré dessus à quel moment ? Est-ce vrai que presque tous les blessés sont touchés aux pieds ou aux jambes ?» J'aborde un rassemblement. Au centre, deux rescapés. L'un silencieux et triste. L'autre pérorant avec de grands gestes. Il porte au front une plaie légère où le sang a séché en croûte et il exhibe une balle fichée dans un bourrelet de sa capote comme une aiguille piquant un pli dans une étoffe. Il y en a donc toujours de ces égarés, de ces fuyards. Il passe sans fin, traînant la jambe, visage fiévreux, cheveux longs et barbe sale. Et voici encore des chariots pleins de femmes et d'enfants, des chariots où des blessés s'entassent, les uns assis et se cramponnant des deux mains aux ridelles, les autres couchés sur une litière de paille sanglante. Des caissons de munitions tanguent avec un fracas de ferraille secouée. Des groupes de fantassins poussiéreux marchent sur les flancs dans l'herbe rabougrie des bas-côtés. Ses carnets de guerre, Maurice Genevoix poursuit. Et cela coule interminablement vers le creux du vallon où le village se blottit, venant du haut de la côte que la route escalade. Est-ce panique ? Non. Non, sans doute. Alors pourquoi cette impression pénible dont je ne puis me défendre ? Un officier d'état-major est venu. Le chef de détachement, à la seule vue des insignes, est devenu pâle d'émotion. Il faut retraverser la Meuse. Je m'y attendais. Derrière tous ces gens qui passaient, je sentais peser une menace. Longue étape, sur une route sans arbres, ciel terne, chargé de pluie. Il fait lourd, nous revoyons bras et charnis, puis marche à temps court. Des villages qui se ressemblent, maisons basses, bleu lavé, jaune terreux, couleurs sans lumière et sans gaieté. Et toujours les monceaux de fumier croupissent au seuil des portes, étalés jusqu'au milieu de la route. Enz ressemble à Mar,
et à Chatancourt. Nous nous y installons, en popote, chez une bergère jeunette qui a une face de poupée sans dents et des jambes sans mollets. Dans le fond obscur de la pièce, j'entrevois un étrange personnage, chevalier à rouflaquettes et à longs cils, qui dorlote un mioche au maillot. Il s'éclipse comme une ombre dès que nous entrons. Au pied de la fenêtre ouverte, un soldat, en manche de chemise, avant-bras nu, égorge un mouton couché, pattes liées sur une porte. Le soir vient, gris et triste. Et voilà qu'une pluie fine se met à tomber, noyant tout dans une poussière d'eau. Je pense à mes hommes restés sur le pré, derrière leur faisceau. Et je sors, plaquant les convives, pour essayer de mettre à l'abri ma section. C'est facile. Il n'y a presque pas de soldats dans le village. J'ai trouvé une grange pleine de foin, et je reviens vers le pré, content de moi. « Debout les amis, prenez vos équipements, vos sacs, tout votre barda. Il y a un toit et du foin par là. » Dans la nuit, sous la pluie qui commence à fouetter, je précède un cortège d'ombres muettes. Hélas, ça n'est pas long. Dans le village, je bute contre le chef de détachement, errant le long des maisons, toujours malade d'inquiétude. « Allons, demi-tour !» Les ombres retournent au marécage, muettes toujours. On entend le flic-floc des pieds lourds dans les flaques. Pauvre bougre. En revenant, je rencontre quelques soldats qui montent vers le cimetière. Ils portent sur une civière un corps roulé dans un drap. Je me rappelle, on m'a dit aujourd'hui qu'un chasseur avait été tué par une balle perdue. Je suis entré au fond d'une cour, dans un ignoble galetas. Sommeil entrecoupé, la porte bat toute la nuit. Chaque fois que j'ouvre les yeux, j'aperçois la lueur d'une lampe fumeuse, des yeux caves sous des visières de képi. À côté de moi, dans une alcôve pareille à la mienne, un malade, torturé par une crise aiguë de rhumatisme, jeûne et crie. L'aube, enfin. Je m'habille en hâte, impatient d'échapper à l'atmosphère de ce taudis. Et je me sauve. Je me sauve loin de ce lit où j'ai transpiré quelques heures, de ces draps huileux dont je sens encore la moiteur sur ma peau, de ces relents de fromage, de petits laits et d'étables à cochons. Il pleut toujours. J'aperçois de loin, sur le pré, les faisceaux grêles, les paquets de sacs. Il n'y a plus un homme dehors. Ma foi, tant pis. Bravo. Jeudi 27 août 1914. Longue étape, molle, hésitante. Ce n'est pas à vrai dire une étape, mais la marche errante de gens qui ont perdu leur chemin. Haucourt, puis Malencourt, puis Bétincourt. La route est une rivière de boue. Chaque pas soulève une gerbe d'eau jaune.
Petit à petit, la capote devient lourde. On a beau enfoncer le cou dans les épaules, la pluie arrive à s'insinuer et des gouttes froides coulent le long de la peau. Le sac plaque contre les reins. Je reste debout. À chaque halte, n'osant pas même soulever un bras, par crainte d'amorcer de nouvelles gouttières. Il se trouve que nous sommes à Gercourt et que Gercourt est l'étape désignée. Un trou bleu dans les nuages, des gouttes de pluie brillantes de soleil, les dernières. Les couleurs des uniformes s'avivent. Les boutons de cuivre sautent aux yeux. C'est la grande halte. Je tends mon dos à la chaleur qui grandit, en mâchant du singe filandreux et du pain élastique. Au-dessus des sections au repos, une buée d'eau qui s'évapore, monte et flotte. Tous les officiers sur la route. Que se passe-t-il? Le capitaine Renaud, adjoint à notre colonel, vient faire les affectations. C'est un grand brin agité. Il procède tambour battant, 12 files, une par compagnie. Pour nous aussi, officiers, ça va vite. Quelques questions qui nous tombent sur le nez en cascade, à peine le temps de répondre, c'est fait. Je dois rejoindre au passage du régiment la 7e compagnie. Il arrive, mon régiment. Nos réservistes courent à toutes jambes vers la route encaissée. Et c'est un beau charivari. Bonjour qu'on s'envoie de loin, exclamations de joie qui se croisent des rangs qui défilent au groupe massé sur le talus. Il y a de l'anxiété dans presque tous ces yeux qui regardent ceux qui se sont battus. Quelques hommes déjà retournent au faisceau abandonné, le front baissé, les bras ballants. Je me suis glissé à ma place, avec mon groupe, derrière la 7e qui passe. Tout en marchant, les mêmes questions se précipitent. Et Robert? Il est blessé. Une balle dans l'épaule. Et Jean? Il est mort. C'est le frère des 2 soldats, le blessé et le mort, qui répond. Il jette ses mots d'une voix essoufflée, en courant pour rejoindre sa place dans le rang. Une halte, colonne de bataillon dans une prairie desséchée. J'en profite pour me présenter à mon capitaine. Grand, massif, un buste lourd sur de longues jambes grêles, le regard vif et intelligent a tenu l'impression de pesanteur que j'ai eue au premier abord. Alors, jeune homme, vous allez faire votre apprentissage? Bonne école, vous verrez, bonne école. Un sourire plisse les yeux bleus. Il se pourrait que le capitaine rive eût du goût pour l'ironie. Il y a aussi un sous-lieutenant à ma compagnie à Saint-Mexanté, jeune et solide, plein d'allant. Une moustache flambante trop touffue pour le visage rougeau et poupin, de grosses épaules, de gros poignets, de gros mollets. Il me tend la main et m'offre tout de suite une goutte de schnick, histoire de mieux faire connaissance. Attends un peu, tu vas voir comment on se débrouille. Il fait signe à une espèce de singe qui semble là aux aguets, lui montre le village tout proche, cuisit et le lâche d'un geste comme un chien de chasse à qui son maître crie « Apporte !» Il est vrai qu'au préalable, il lui a remis 20 francs. 5 minutes plus tard, le régiment tout entier dévale dans un chemin à pic, encaissé entre de hauts talus buissonneux. Les pierres roulent sous les pieds, on se cramponne, on se rattrape aux branches, mon sabre devient un alpenstock. Dès que nous entrons dans le pays, nous sommes dans la boue et le purin. Beaucoup de granges, très peu de maisons, 100 habitants, il faut que nous logions là, 3 000. Fait nuit, nous devons popoter avec les officiers de la 8e. Mais où? Personne ne me l'a dit. Dans la boue, dans le fumier, je me mets en quête de la popote. Je l'ai trouvée dans une cuisine obscure. Au fond, la flamme jaune d'une bougie fait danser des ombres sur les murs. Un cuisinier, bras nus et pattes noires, manipule de la viande crue comme il ferait un pétrin. Un autre, pipe aux dents, écume le pot-au-feu en crachant dans les cendres. Il lève vers moi un étrange visage de faune lipu. La barbe qui commence à pousser hérisse son menton de poils rares, raides comme des soies. C'est lui qui m'accueille et me renseigne d'une voix traînante et pâteuse, à croire qu'il a du macaroni plein la bouche. L'un après l'autre, les officiers entrent. Il y a pour la 7e le capitaine et le Saint-Mexanté, et puis un élève de Saint-Cyr, frais galonné, visage osseux, nez puissant et bon enfant, qui vient d'arriver avec moi du dépôt. Maignan, le capitaine de la 8e, est un petit homme bien fait. Barbe blonde, carré, soigneusement peigné, sourire qui montre toutes les dents, voix douce aux inflexions un peu précieuses, un lieutenant, grand type à face blême et glabre, dont le nez, sans été, tombe dans sa cuillère. Un sous-lieutenant, long et mince, brun, visage très jeune, intelligent et naïf.
Le dîner se traîne, plutôt morne. Les deux capitaines racontent des anecdotes du Maroc ou des histoires toutes faites, de bien bonnes, glanées dans les camps. La promenade dans la boue recommence. Ne faut-il pas, puisque nous sommes cette nuit dans un village encore habité, en profiter pour coucher dans un lit ? J'arrive à me glisser entre deux toiles rugueuses, à côté d'un bonhomme d'une cinquantaine d'années, qui transpire dur et qui sent fort. Je dors quand même, à point fermé. Les Allemands passent la Meuse. Vendredi 28 août 1914, 4 heures du matin. Nous nous hissons au haut du chemin pierreux. Une brume légère flotte encore. Le régiment tout entier se rassemble auprès du village dans un verger clos de haies vives. Et là, un commandant à monocle nous lit d'une voix sèche une proclamation vibrante. Oraison funèbre du colonel, exhortation véhémente, vers de Déroulède pour finir. Bien plus simple et plus émouvante, la présentation des armes par les soldats, tous les officiers saluant de l'épée. Nous creusons, sous une crête où le vent souffle, de profondes tranchées pour tireurs debout. Je respire engoulu, heureux d'être au soleil, de me sentir allègre, pendant que mes hommes tapent du pic et lancent par-dessus le parapet ébauché des pelletées de cailloux. Nous dominons de là-haut un immense vallon arrondi. Au bas de la pente, des bois sombres avec les grandes enclaves lumineuses des moissons mûres. Là-bas, dans le creux, un village blanc sous des feuilles, d'Annevoux. Et tout au fond, par-delà la Meuse qu'on ne voit pas, une chaîne de collines bleues. Jusqu'au soir, on creuse avec entrain. Pendant plusieurs heures, nous avons entendu un grondement grave et continu. Canonnade violente mais lointaine. Déjeuner sur le bord de la route, nous déchiquetons des doigts et des dents une volaille carbonisée en buvant du vin épais à même le goulot des bidons. Je couche comme la veille avec mon bonhomme, mais cette nuit-là, j'entends des borborygmes et je suis réveillée à chaque volte de son gros corps. Samedi 29 août, sur le carnet de guerre de Maurice Genevoix. Sous un soleil blanc et fixe, les hommes, chemises ouvertes et gouttes de sueur sur la peau, achèvent de creuser leurs tranchées. Par-dessus le grondement des batteries éloignées, nous distinguons assourdis encore et ouatés les détonations de batteries plus proches. Je perçois, en tendant l'oreille, des sifflements légers qui se brisent en une explosion miaulante. Ce sont des shrapnels qui éclatent, lentement dissipés dans l'air calme. Nous cantonnons encore ce soir-là, mais en cantonnement d'alerte, car les obus allemands éclatent maintenant à 1 kilomètre à peine du village. Les vitres tremblent aux poussées puissantes des explosions. Dimanche 30 août 1914. Bois de cette sarge, des taillis vigoureux tressant les ronces et poussant les rejets sous la protection des hautes futaies. Grandes taches de lumière sur la mousse, rayons vivants à travers l'ombre chaude, âcre odeur de fermentation exacerbée par le soleil et qui oppresse. Il tape le soleil. Je me suis accoté contre un arbre et me déplace à mesure que l'ombre tourne. Pardo, le sous-lieutenant de la 8e, est vautré à côté de moi. Il écrit au crayon une longue lettre à sa jeune femme et il me parle d'elle, de sa petite fille qui a 5 mois. Je l'écoute, mais n'entends pas toujours ce qu'il me dit. Sa voix me parvient comme un ronron monotone que je perçois vaguement encore, scandé par les battements du sang à mes tempes et au bout de mes doigts. Je m'endors.
Une détonation énorme m'éveille en sursaut. Trois autres ébranlent l'air à la file. Et j'entends par-dessus ma tête passer le vol des obus. Frôlement léger, glissement rapide que l'on suit de l'oreille, très loin, jusqu'à entendre l'éclatement à peine. Ce sont des canons de 120, me dit Pardoux. Il n'a pas achevé qu'une ribambelle de détonation plus sèche, plus cassante, me fait tourner la tête à gauche. L'une n'attend pas l'autre. Elles se précipitent, se poussent les unes les autres, se chevauchent, distinctes pourtant et franchement détachées, malgré la rumeur immense du sous-bois où l'écho résonne interminablement. Une batterie de 75 expédie un travail pressé. Au soir, la canonnade devient innombrable. Les obus croisent leurs courses sifflantes. Les petits tendent une trajectoire rigide, rageusement. Les gros passent presque lentement, en glissant avec un bruit doux. Machinalement, je lève les yeux pour les voir. Tous les hommes qui viennent d'arriver ont ce geste. Cantonnement d'alerte comme la veille, et dernière nuit avec le gros homme. Hélas! Lundi 31 août 1914. Nous repartons pour les bois de cette sarge. La journée débute comme celle de la veille. Grillon, coiffeur patenté, me rase. Sensation qui déjà me semble étrange. Deux sacs sous les fesses, un arbre dans le dos. Je le paye avec du tabac fin. Il m'embrasserait. La sieste recommence, rampante avec l'ombre. Vers 2 heures du nouveau. Nous remontons au nord-est, le long des bois, traînaillons longtemps en tous sens pour arriver enfin au point fixé, des tranchées faites par le génie avec des abatis en avant. Nous les occupons. J'ai une guitoune de feuilles un peu en arrière. C'est là que je passe la nuit. Les branches dont le sol est jonché m'entrent dans les flancs. Mon équipement ne se tasse pas et mon sac sous ma tête me semble dur. Je n'ai pas encore l'habitude. Ce qu'ils ont fait, écrit Genevoix, c'est plus qu'on ne pouvait demander à des hommes. Et ils l'ont fait. Notre sol fut la terre de leur bataille. Leur amour de la liberté, le viatique qu'ils nous ont légué. Leur sacrifice dit notre dette et nos devoirs. C'était la première partie de cet hommage à Maurice Genevoix, entré au Panthéon le 11 novembre 2020. Les textes que je vous ai proposés étaient extraits du recueil « Ceux de 14 » aux éditions Flammarion. C'était « Correspondance ». Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.